Même s'il sourit en maquette jodi a, farine pour la bouillie, pas tant de maquette te vina la mode pour te entrer dans la consommation haïtienne. Nan. C'était toujours manger la caille, petit bébé la caille, bienvenue. Banane gosse bot la sitou. Mon province te kon sa bien. Mais, premier farine banane sous forme industrielle pour vendre la maquette, c'est Kiskeya le relé. Kiskeya en lui-même, c'est non Haïti. C'est peut-être sa grand-père qui a choisi non Kiskeya. Pour te bailler comme marque pour produire les farines Kiskeya. Fondateur entreprise Farine Kiskeya, grand-père ça, c'est comme s'il pas ton inconnu. C'était Théophile Salnave. Je te relève Théophile Salnave, Zo, c'est petit président, Sylvain Salnave, nationaliste, et qui était nationaliste tout lui-même, qui était par un pile qui formait créole, qui a introduit créole en radio en Haïti. C'est grâce à lui que je parlais créole. Kounia dans le tribunal, je parlais créole de tous côtés. Créole là, c'était pour combattre le phénomène marginalisation. Farine Kiskeya, c'est pour développement corps. Produit par exemple banane, il y a un pile de fer là-dedans. Et nous gagnons protéines de soya tout que nous ajoutons là-dedans. Nous gagnons glucides, une série de produits là-dedans qui sont bons pour le corps, pour les autres timouna, qui fait que timouna développé, fait timouna grossi. Et capacité en santé. Farine Kiskeya, c'est une entreprise agro-industrielle. Il ne permet aucun produit chimique de conservation dans les produits transformés. Pendant 50 ans, c'était farine banane dans seulement l'entreprise la te fait. Mais Kounia, il y a 14 farines. Plus, il y a la bouillie tout pareil pour tout le monde et pour grand monde tout. Kiskeya, en réalité, ce n'est pas un produit vraiment à 100% pour tout le monde. C'est sous garder bien de SHA banane ou après que. C'est de 0 à 100 ans. Parce que ça fait que nous, tout le monde a l'impression que Kiskeya sont produits seulement pour Timoun, c'est parce que son photo Timoun qui souli. Et Timoun qui souli a mis une joie là. Maman a mis une joie là. Son Timoun que Kounia là, son Timoun qui a 78 ans, que nous avons gardé là. Nous comprenons qu'en plus de l'idée de faire business là, il y a comme un lien familial qui traverse l'existence entreprise là. Dans ce sens, ça, en pile j'ai forfait pour kembe tradition 78 ans ça en bas toute baf que production locale capra. Ça veut dire que y a plusieurs cyclones qui passent sous nous, tout a été cyclone qui crase pays à net, qui crase toute chambre banane, cyclone économique, c'est-à-dire situation économique pas bon. Tout a été cyclone passé et qui ce qui a toujours été par exemple fermé même pour un seul jour. Nous ba un produit qui sain. Un produit qui est fiable, un produit qui est vraiment très nourrissant, un produit de bonne qualité. C'est ça qui fait que ce n'est pas nous qui sommes, c'est la clientèle qui est nous. Parce que si nous n'avons pas de monde qui t'a acheté le produit, si le produit n'est pas bon, il n'a pas acheté nous. Et nous ne sommes pas capables de vivre toute année ça et que nous vivons là. Si bébé Farine Kiskeya a presque 80 ans sous tête. Maxime Landrin, tu as une histoire durée longtemps encore. Nous, c'est la troisième génération. Grand-père qui était formé en 1931, maman qui était prend la relève, et puis Kounia là, c'est moi qui ai dirigé depuis quelques années. Et m'espérer que petite femme prend la relève, ainsi de suite. Parce que c'est avec un pile amour que je fais ça, c'est rien, même mes compagnons. Et je vais aimer que mes petites mains au jour de même dans petite qui prend la relève. Presque 500 paysans ont fourni l'entreprise la denrée, permettent de produire 50 000 sachets de farine par mois pour qu'un bébé tradition. Cap Ferroutli depuis 1931.